dinosaures nous ont montré la voie, les pauvres. Ils ne méritaient pas ça. Même s'il y a eu des moments un peu pourris, quelque peu exécrables, il faut reconnaître que depuis Cro-Magnon, on ne s'est pas gêné pour s'éclater. FM, c'était The Comet Is Coming. Je ne sais pas si c'est une chanson de bonne circonstance, vu que j'ai une information de la plus haute importance, oui, à vous communiquer. Je suis obligé d'arrêter les programmes ici de cette radio Paradox FM pour vous communiquer une information de la plus haute importance, je répète, de la plus haute importance. Ceci n'est pas un canular, ce n'est pas une blague. Il faut que je vous dise ceci. Attention, mesdames et messieurs, écoutez bien, branchez-vous sur Paradox FM. Cette information va peut-être vous faire froid dans le dos, mais c'est... sur la Terre et... Les historiens, froids et désespérés, estiment que notre présence dans le grand mouvement du temps n'est qu'une anecdote. Les scientifiques, cyniques et lucides, admettent que notre existence est en grande partie due au hasard. Les religieux, fiévreux et transis, glorifient le doigt divin qui nous pointe pour cible, nous, pauvres êtres chimériques nés des entrailles du grand bonhomme. Louis, obsédé et honteux, hurle intérieurement qu'il n'en a rien à foutre. Différentes équipes de scientifiques internationaux ont procédé à près de 8000 calculs de vérification. Nous sommes malheureusement au regret de vous annoncer qu'un rocher constitué essentiellement de fer, de la taille d'un quart de la Lune, fonce actuellement vers nous à une vitesse approximative de 40 km/s.
Il s'écrasera sur la Terre dans 164 jours. Le Premier ministre... Excusez-moi. Le Premier ministre... C'est dingue comme le chaos peut facilement se mettre en place. Comme s'il couvait, invisible entre les rues et les armes. Dans les 8 premiers jours qui avaient suivi l'annonce officielle de notre disparition imminente, 172 816 personnes avaient trouvé la mort entre Ostende et Arlon. Des suicides en grande partie, mais beaucoup d'incrédules ou de cinglés avaient aussi péri en essayant de voler des lecteurs DVD ou des iPods que des commerçants tout aussi incrédules ou cinglés avaient tenté de protéger. S'était calmé. Presque était épuisé de désespoir. L'armée, la police, les pompiers ainsi que quelques spécialistes aux compétences particulières, tous enrôlés volontaires, furent alors regroupés au sein d'une entité de secours nommée NOVAM. Le NOVAM se chargeait avant tout de la protection et de la distribution des vivres, de l'eau et de l'électricité, mais gérait aussi d'autres domaines importants comme la sauvegarde culturelle, département dans lequel Louis traînait désormais ses afflictions.